J'y ai cru, très fort, quand j'ai quitté ma famille pour rejoindre mon grand Eldorado. J'y ai cru, très fort, quand j'ai commencé à marcher pour une éternité longue et silencieuse. J'y ai cru, très fort, quand j'ai escaladé la première de ces multiples frontières dangereuses. J'y ai cru, très fort, quand mes amis tombaient, ne pouvant plus porter leur sac à dos. Comment ça sera? Tu le sais, toi. Comment ça sera? Pas pire ou meilleur qu'autrefois? Comment ça sera? J'y ai cru quand le groupe s'est vu dépouillé par des gars avec des armes et des munitions. J'y ai cru quand j'ai pris l'autobus pour le port, désormais que quelques pièces dans mon pochon. J'y ai cru quand, en attendant notre tour, nous étions entassés dans nos petits cabanons. J'y ai cru quand j'ai vu des femmes se faire violer sans avoir le moindre pouvoir de réaction. Comment ça sera? Tu le sais, toi. Comment ça sera? Ça sera, tu le sais, toi. Comment ça sera? Probable que je ne revienne pas. J'y ai cru quand on m'a battu. Et battu, car je n'avais pas assez d'argent pour traverser. J'y ai cru quand j'ai travaillé 3 mois pour eux en échange d'un passage à coût réduit. J'y ai cru quand on m'a poussé comme un vulgaire linge dans une embarcation décrépite. J'y ai cru quand je nous ai vus plus de 100 dans ce petit canot de fortune tout cassé. Comment ça sera? Tu le sais, toi. Comment ça sera? Pas pire ou meilleur qu'autrefois? Comment ça sera? Quand je les ai vus jeter lâchement les morts nouveaux par-dessus bord. J'y ai cru quand certains sont violemment tombés et qu'ils les ont abandonnés là. J'y ai cru quand j'ai vu les gardes côtiers s'approcher, les vagues formant des éclats. J'y ai cru quand l'un d'eux a tiré à bout portant, laissant sa cartouche éclore. Alors, c'est la main sur mon épaule, tout ensanglantée, le corps à la mer et mon cerveau qui s'enflammait. Mes yeux ont croisé
ceux de cet insensible garde-côtier. Et son regard me disait : « Toi, ne reviens jamais. »